au Maroc, au pied de l'Atlas, dans une zone reculée, la dalle d'Azrouiklen est tatouée de milliers de gravures. Sur la pierre, des bovidés, des armes et des chasseurs côtoient des sandales et des camions. Les gravures les plus anciennes datent du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Les plus récentes, qui sont également les plus nombreuses, sont contemporaines. Au fil des époques, les pratiques ont évolué. Les figures et les scènes de chasse de l'époque libico-berbère ont peu à peu laissé place à des motifs en lien avec la culture des tribus sahariennes, comme des symboles de marquage de troupeaux ou des objets de plus en plus contemporains. Plus les gravures sont récentes, plus leur style paraît enfantin. Si les premiers graveurs étaient probablement des chasseurs adultes, depuis le début du XXe siècle, ce sont sans doute des enfants qui tatouent la pierre. Cette hypothèse est confortée par l'évolution de l'activité de berger dans la région, qui tend progressivement, depuis plus d'un siècle, à devenir la charge d'enfants de plus en plus jeunes. Chaque tribu nomade possède son emblème, dont elle marque au fer rouge les animaux de son troupeau, des chèvres ou des dromadaires. Au gré des passages à proximité de la dalle, les bergers gravent sur la pierre leur emblème. Les motifs, très nombreux, sont parfois recouverts ou modifiés. Depuis au moins deux siècles, cette habitude a donné lieu à une véritable compétition graphique. On camoufle le motif d'une autre tribu en le transformant et, dans le même temps, on ajoute son emblème pour laisser une trace de son passage. En étudiant les gravures dans leur ensemble, les chercheurs ont distingué deux types de stratégies. Certains choisissent de graver sur des espaces vierges, comme on écrit sur une page blanche. D'autres s'intéressent au contraire aux endroits où la pierre est déjà gravée et utilisent les figures existantes. Cette recomposition peut prendre plusieurs formes, la juxtaposition, la superposition ou la reconfiguration. La juxtaposition est la stratégie la plus fréquente. Il s'agit d'ajouter un signe à côté de gravures déjà présentes. Ici, l'épée, gravée au libico, était initialement isolée. Puis, à la période moderne, un personnage qui s'en empare a été ajouté. La scène est ainsi enrichie. Les gravures ajoutées le sont parfois dans une démarche de mimétisme. Là, à côté d'une autruche bovidienne, se trouve une petite autruche contemporaine. Certes, la plus récente ressemble plutôt à un canard, sans doute parce que les graveurs contemporains n'ont jamais croisé ces oiseaux au long cou. Plusieurs stratégies se rencontrent parfois sur le même espace. Si l'on regarde les gravures situées à côté de ces deux autruches, on remarque une troisième autruche, sur laquelle se superposent des cavaliers et d'autres gravures libico-berbères. C'est la superposition. La dernière stratégie est la reconfiguration. Elle consiste à compléter l'image initiale en prolongeant le trait de gravure pour en faire une autre image. Sur cette partie de la dalle, une patte de quadrupède bovidien est utilisée à la phase moderne pour dessiner l'arrière d'une voiture. Si ces stratégies de recomposition sont fréquemment utilisées, il apparaît que les scènes denses et fortes, comme la ronde des cavaliers, datant des périodes antérieures, sont rarement touchées. Ce qui témoigne, peut-être, d'un certain respect à l'égard de l'effort de réalisation. L'étude des différentes stratégies de recomposition montre que celles-ci diffèrent selon les époques. Au libico-berbère, la juxtaposition domine. On cherche alors à réinterpréter le sens de la gravure et non son aspect graphique. Aux périodes subcontemporaines et contemporaines, au contraire, c'est l'aspect graphique qui prime sur le sens. Les gravures préexistantes sont réinterprétées et servent de support aux nouveaux motifs.